Alors Baptiste, là, on a, alors pour ta première année en junior, après ton titre en cadet l'année dernière, derrière Étienne, t'as réussi à avoir le meilleur, quoi. Ouais, bah après, je venais pour battre Étienne et puis bah tous les autres. Mais bon, au vu de la course quand même, Étienne, je pense que voilà, il était au-dessus de moi aujourd'hui. Je pense que je suis à ma place. J'ai couru tout seul comme Étienne et puis voilà, pour moi, je suis content. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de l'attaque que tu avais placée au groupe des poursuivants. Et tu semblais vraiment dire que tu n'avais pas peur d'attaquer. Non, justement, je disais que Étienne, il avait mis une attaque et moi, j'avais vraiment pas les jambes pour suivre. Parce que, enfin, j'avais les jambes, mais je savais que c'était vraiment long parce que Étienne, il a mis dès la première petite boucle. Donc, j'ai pas voulu y aller. Puis, au final, je suis revenu après dans les petites buttes là. Donc, j'ai pas trop perdu là-dessus, mais c'est plus au train qu'il a réussi à m'avoir. Tu es revenu, bah, tu veux dire, tu pensais éventuellement à revenir sur lui? Ouais, non, c'était vraiment au tout début quand il a attaqué, on était encore 5-6. Puis après, quand il est parti au train, j'ai demandé à Valentin qu'on se relaie. Donc Valentin, il s'est mis derrière moi, et puis bon, après, malheureusement, j'ai pas vu la course, mais s'il a pas pu suivre, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas de son côté. Donc la saison de cross est finie. Pour l'instant, tu vas te reposer ou tu penses déjà aux objectifs qui vont t'attendre là? Je vais peut-être être sélectionné pour les mondes de cross, donc voilà, c'est j'ai encore peut-être une prépa cross, donc j'espère. Tu les attendais, ces mondiaux? Ouais, parce que j'avais dû faire l'impasse pour les Europes de cross vu que j'avais fait les Jeux Olympiques jeunes. Donc c'est vrai que je l'avais un petit peu en travers de pas m'aligner sur le cross de sélection. Mais bon, après, j'ai évité des pépins, je pense. Donc aujourd'hui, je suis content de courir entre guillemets en bonne santé, sans regarder mes jambes si j'ai des douleurs ou pas. J'ai pas de douleurs, donc ça, je suis vraiment content.